Ça y est, c'est le point de non-retour. Dernier feu de camp est passé, il n'y en aura plus après. Cette fois, c'est la fin du jeu. Hey, mais moi je veux. Sophia, est-ce que vous pouvez l'atteindre avec le trébuchet? On va essayer. Prépare-toi. Bon, maintenant il va falloir temporiser. Je ne pense pas que vous arriverez à le toucher. On va continuer à essayer. On recharge le trébuchet. Attends un peu. L'hélicoptère est trop rapide. On n'arrivera jamais à l'atteindre. Attends, j'ai une idée. Si je tire sur la boule de feu quand elle passe à côté de l'hélico, l'explosion pourrait l'atteindre. J'espère que t'as raison. Donne-nous le signal, on se tient prêt. Voilà la technique. Tirez! C'est parti! Allez, vise! Voilà! Touché. Heureusement qu'il y a un petit bullet time. Ok, et maintenant il faut temporiser. Parce qu'entre chaque hit de l'hélicoptère, il y a des mecs qui arrivent de partout, même de derrière moi. Donc maintenant... il va vraiment falloir faire gaffe à pas mourir. Voilà. Putain. Arrêtez de me tirer dessus. Je sais, c'est pas dans vos objectifs, mais quand même. Je sais pas si je l'ai one-shot, lui. Ah. Récupère tout ce qu'il y a à prendre. Ah, je suis déjà mort. Putain, c'est que la première boule de feu, je suis déjà mort. Ah, putain, ça va être chaud, ça va être tendu. Non, sérieux. La one shot. Putain, j'ai pas le temps de viser un tout petit peu le mec que je suis déjà mort. Voilà, ok, super. Monte, grimpe. Oh, putain. Ah, putain, j'avais pas rechargé, mais nique ta mère. Bon, ce combat est difficile. C'est logique, mais il est difficile. Par où ils vont venir? Tu vas quoi? J'ai pas entendu. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Ok. Maintenant, il faudrait que j'arrive à... fouiller un peu les corps pour... Ah, je peux pas. Là, je vais droit vers la mort. Ah, putain! Ah, putain! Arrêtez de me tirer dessus. Vous savez quoi? Arrêtez. Il faut que je récupère des munitions. J'y vais encore crever. Je vais crever. Récupère des munitions, s'il te plaît. Des feuilles, des trucs, récupère ce que tu peux, mais récupère. Fais les fouilles. Va dans ta brocante. Il faut quand même que je me soigne un petit peu. Aïe. Ah putain. Non mais là, vous êtes trop près de moi. Cours, Lara! Sérieux? Oh là 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 là, ils font tellement mal! J'en tue un, faut que je me soigne. Allez, hop, hop. Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi Lara avait une tête de chien qui regardait sur le côté. C'est parce que l'hélico revient. Donc, deuxième. Vas-y, tout va bien, c'est pas comme si j'étais sur le point de crever. Il est où l'hélico là? Là derrière, je crois qu'il peut pas me toucher. Tu te dépêches à recharger ton trébuchet? Je suis prête. Ok.
Ah non, non, dis-moi que ça a compté, s'il te plaît. Ok, alors. Faut que je trouve un bon spot en hauteur. Voilà, là c'est pas trop mal, j'ai l'impression, parce qu'ils peuvent pas arriver à gauche et à droite. Même s'ils peuvent me tirer dessus du haut des escaliers. Essaye de recharger, s'il te plaît, pour être prêt. Allez. Voilà. Le problème, c'est que je suis un peu obligé de fouiller tous les corps pour récupérer des munitions et que bah ça m'explose. Voilà, toi, t'es tombé comme une merde, c'est parfait. Il va revenir, mais bon, en attendant. Ah, putain. Vas-y, vas-y, recharge-toi en santé. Il reste 3 feuilles. Mais allez, là! Évidemment! Mais tire! Putain. Ça suffit! Ça suffit! Vous allez mourir! Allez, il y a des corps à fouiller, il faut que je recharge mon munition, là. Mais meurs toi aussi là! C'est pas parce que t'as un casque, tu crois quoi? Ça y est? Ouais, hélico. Phase hélico. Ok, dis-moi que t'es prête avec ton trébuchet. Ah oui, vas-y, vas-y, prends ton temps, tout va très bien. Je ne suis pas en train de crever, prends ton temps. Pendant ce temps-là, je recharge. C'est au moins ça de plus. Donc, faut pas que je loupe le... Aïe. Faut pas que je loupe la balle du, la boule du trébuchet, sinon je crois que je recommence tout le cycle. Hein. Arrête de me viser. Oh putain. Mon signal, il est là. Je l'ai eu. Oh putain, j'ai eu l'hélico. Il y a des immortels. Parce que oui, c'est pas fini, évidemment. Ok, alors. Les immortels ne m'ont pas encore vu. Voilà, toi, je peux t'avoir comme ça. On va essayer de la jouer proprement. Ah, je peux pas remonter après. Bon, on va essayer d'attendre le maximum de temps avant de me faire repérer. Oh, il y a des... Ah non, c'est pas des feuilles. Il arrive par... Il arrive vers où, lui? Allez, en toute discrétion. Personne ne me voit. Ça y est, ils m'ont vu! Ah, ils arrivent tous. Oh, pff, qu'est-ce qu'ils font mal quand ils tapent dessus au corps à corps? Il n'y a pas des feuilles? Ah! Dégage! Le mec, il cherche des feuilles toute sa vie. Ils m'ont perdu de vue? Et merde. Dans la nuque, c'est bon, t'es mort! Eh ben, visiblement non. Mais quoi? Arrête de faire ça, Lara! Tiens, tue-le, voilà. C'est bon? C'est bon pour lui. Évidemment, il y a eu un fouam. Ce qui veut dire, il y a d'autres mecs qui arrivent. Qui apparaissent de façon magique. Bon, là, ils se voient tous les uns les autres, évidemment. Je pense que son pote, il va me voir, là, non? Non, son pote m'a pas vu. Ok. Allez.
Voilà pour toi. Et t'avais encore un ami par là-bas. Il est là. Il a fait voir que je suis vous. Ah putain, il m'a vu. Non, il a un doute. Ah bah cette fois, il m'a vu. Tu sais pas que je suis monté là-haut. Tu ne le sais pas. Ok, si tu le sais. Mais c'est pas grave. L'assassinat aérien, ça marche toujours et ça one-shot. Ok, trouver une sortie. Et genre, depuis tout à l'heure, en fait, tu pouvais pas essayer de trouver la sortie tout de suite. Bon, la sortie, visiblement, elle est là. Eh ben non, il y a Constantin. Il a pris mon arc, ce bâtard. Il n'y a plus que vous et moi, maintenant, Lara. Vous n'avez pas d'armes, pas d'alliés. Et il a tout pris. Cet endroit sera votre tombe. Ce tombeau sera votre tombeau. Bon, là, il faut que je le chope au couteau par derrière, en fait. C'est ça, l'idée. Oui, tu me vois. Oui, je sais. Ah, ou alors, je peux faire ça. Venez vous battre. Sortez de votre échec. Ça peut être bien. Vous êtes bien plus coriaces, vos amis. Je vous tiens. Ouais. Vas-y, coup de couteau. Voilà, déjà un. Je l'ai amoché. Vas-y, tire des grenades. Il va où là? Ah merde, bon ok, il sait à peu près où je suis. Ta gueule. Voilà, ramasse la boîte de conserve, Lara. Je peux plus me planquer en fait. Tiens, vise-le. Allez vite. Allez, QTE. Bam. Dis-moi comment tu te relèves de ça, toi, hein? Rends-moi mon arc. Non. Je ne peux pas finir comme ça. J'étais promis un grand destin. Ça n'a jamais été votre destin. Juste un mensonge que votre sœur a entretenu. Dans un seul but. Qu'elle vive. Vous n'avez pas le droit de partir. Attendez. Les Trinitaires ont tué votre père. Non. Vous mentez. Il nous a supplié de l'épargner. Et ensuite, il s'est servi de vous comme excuse. Vous mentez. Fermez-la. Alors, on l'achève ou pas? Il était pathétique. Et bah toi aussi. Aucune pitié. Voilà. Brûlé en enfer. Je peux enfin entrer dans la chambre des âmes. C'est haut, il fait froid. Mais j'y suis. Enfin. Ont été vaincus et ton frère est mort. Non, c'est ce que les Trinitaires ont apporté, la mort, et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours? Comment peux-tu seulement l'envisager? Tu es si près du but. Je préfère encore faire ce sacrifice. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi. Le prix à payer est trop grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclés. Jacob, attention!
Le monde n'est pas encore prêt pour la source. Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Ce n'est pas mon cas. Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Anna, non ! Vous saviez que j'allais la détruire. Durant toutes ces années, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire. Mon heure est arrivée. Je meurs. Je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était changer les choses. Vous avez réussi. Et ben voilà, Jacob est enfin mort. Je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace dans ce monde un jour. Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes. Détruire la source était la seule chose à faire. Je l'ai quand même laissé tomber. Je pense qu'il aurait fait pareil. Allez, t'as un avion à prendre. J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait. Je dois faire mes propres choix. La cité de Kitège existe bel et bien. Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux. Survivant ultime, ça c'est le trophée pour avoir fini le jeu en mode survivant. Et voilà, on a fini Rise of the Tomb Raider. Ne partez pas parce que si ça vous intéresse, sachez qu'il y a une scène post-générique qui introduit sûrement le prochain Tomb Raider. Donc si vous voulez la voir, si éventuellement vous ne l'avez pas vu, et ben vous allez la voir. De toute façon, voilà, je vais laisser le générique comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié toute cette série de vidéos, que ça vous aura servi éventuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, surtout dire ce qui vous a plu, ce qui vous a éventuellement pas plu. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, expliquer pourquoi. Et puis voilà, je suis content d'avoir fait cette nouvelle série de vidéos avec vous. On va se retrouver après pour un autre jeu, comme d'habitude. J'ai encore beaucoup de contenu à vous proposer. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous. Et
À bientôt pour de nouveaux contenus numériques ou analogiques. Salut! Thank you.
Anna. Quand tu as dit, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire au juste? C'est toi qui as tué mon père, c'est ça? Les Trinitaires me l'ont ordonné. Mais je n'ai pas pu le faire. Tu mens! Je l'aimais. Non! C'est fait. Bien. Je m'occupe de Croft. Non. Pas encore.